sommes ici à la Brasserie des Plantes. Nous sommes producteurs de liqueurs à base de plantes. Et notre idée à nous, c'est de faire des compositions de liqueurs, que comme du vin, avec des notes de tête, des notes de fond, des notes de cœur. On faisait déjà des liqueurs artisanales à la maison pour les copains, des bières artisanales pour les copains. Et à un moment, après le Covid, on a sauté le pas, on avait déjà développé les recettes. On s'est dit, on va monter une boîte à deux et c'est ça notre nouveau projet de vie. La verveine, avant, c'était des verveines à 50, 55 degrés, très très fortes, très agressives au niveau du palais. Et maintenant, on est plus, nous en tout cas, on a fait le parti pris aussi, de faire plus des verveines plus douces, à 28 degrés, 30 degrés, où on est quand même plus proche du côté aromatique que du côté alcoolisé. Guillaume et Étienne, ils ont créé ça il y a 2 ans. Moi, ça fait un mois et demi que je suis avec eux. Aujourd'hui, des verveines, on en voit un peu partout. Des liqueurs, c'est des monoproduits, des monogames. Et eux, grâce au master de biologie végétale de Étienne, ils ont eu l'idée de créer ces associations de plantes, en fait, qu'on voit nulle part. Et ils créent des saveurs qu'on trouve nulle part ailleurs. Notre but à nous, c'était de se faire connaître et de valoriser ces valeurs-là, qui est la verveine, ça se partage. Et du coup, on a eu l'idée avec Étienne de lancer des tireuses à verveine sur Saint-Étienne pour mettre en place ce côté très folklore de la verveine et justement montrer que la verveine, ça se partage et que ça a sa place dans les bars. L'ADN de la boîte, c'est trois copains qui créent une entreprise et qui font des compositions de liqueurs atypiques.